Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon de grammaire. Cette leçon est l'adjectif qualificatif. D'abord, on va commencer par un petit rappel. Suivez avec moi les phrases suivantes. La famille se réunit. Alors, cette phrase, elle est composée d'un groupe nominal plus un groupe verbal. Alors, le groupe nominal est constitué comme on a déjà vu d'un déterminant. Alors, le déterminant, c'est un article ici défini, plus un nom. Le groupe verbal est composé d'un verbe, le verbe se réunir. La deuxième phrase, elle est composée aussi d'un groupe nominal, les enfants, et d'un groupe verbal. Le groupe nominal, les enfants, est composé aussi d'un déterminant. Aussi, c'est un article défini, plus un nom. Et le groupe verbal est composé aussi d'un groupe nominal constitué d'un déterminant plus un nom. Ce déterminant est un adjectif possessif. C'est un adjectif possessif. Alors après ce petit rappel, on va passer maintenant à un petit texte. Maintenant les enfants, je vous invite à lire le texte écrit au tableau. Les petits-enfants se réunissent pour ramasser les ordures dans des sacs roses. Après une longue journée, le quartier est devenu propre. Maintenant, je vous invite à souligner les groupes nominaux. Alors, on va commencer. Les, c'est un déterminant. Enfants, c'est un nom. Se réunissent pour ramasser les, c'est un déterminant, un article indéfini. Ordure, c'est un nom. Des, c'est un déterminant. Sac, c'est un nom. Une et journée. Le, aussi, c'est un déterminant. Et quartier. Très bien. Alors, les groupes nominaux que j'ai soulignés sont composés d'un déterminant et un nom. Maintenant, suivez avec moi les mots que je vais cercler. Alors, rose, petit, langue et propre. Les mots entourés servent à quoi, à votre avis? Alors, les mots entourés, petit, rose, langue et propre, servent à qualifier. Et décrire. Décrire. Et servent aussi à apporter une information sur les noms auxquels ils se rapportent. Alors, apporter une information. Très bien. Alors, petit, regardez, petit, il est relié à quel nom? Alors, petit est relié au nom enfant. Petit, petits enfants. Rose est relié, bien, se rapporte avec le nom sac. Langue, avec le mot journée. Et quartier, et en relation avec le mot quartier. Alors, c'est le quartier qui est propre. Alors, les mots petit, rose, propre et langue servent à quoi, à votre avis? Ils servent à qualifier, à décrire et à apporter une information sur les noms auxquels
Il se rapporte. Ils servent à qualifier. Comment on peut les appeler? Alors, on peut les appeler, puisqu'ils qualifient les noms auxquels ils se rapportent, on les appelle des adjectifs qualificatifs. Des adjectifs qualificatifs. Alors, l'adjectif qualificatif sert à qualifier. Qualifier quoi? Qualifier le nom auquel il se rapporte. Très bien. L'adjectif qualificatif sert à qualifier le nom auquel il se rapporte. Petit, enfant, rose. Sac, ils sont roses. Comment est la journée? Il est long et le quartier est propre. Maintenant, remarquez avec moi la place de l'adjectif qualificatif. Alors, petit, elle est placée où? Elle est placée juste avant le nom qu'il qualifie. Elle est placée juste avant le nom qu'il qualifie. Rose aussi est placée juste après le nom qu'il qualifie. Et langue, comme vous le remarquez aussi, elle est placée juste avant le nom qu'il qualifie. Alors, l'adjectif qualificatif peut être placé juste avant ou après le nom qu'il qualifie. Alors, il peut être placé juste avant ou juste après le nom qu'il qualifie. Si l'adjectif qualificatif est placé juste après ou juste avant le nom qu'il qualifie, il s'appelle... Alors, l'adjectif qualificatif peut être placé juste avant ou juste après le nom qu'il qualifie. On l'appelle adjectif qualificatif épithète. Adjectif qualificatif épithète. Revenons au texte. Est-ce que tous les adjectifs cités dans le texte sont placés juste avant ou juste après le nom qu'il qualifie? Alors, comme vous le remarquez, l'adjectif propre, il est placé loin, un peu loin du mot, du nom qu'il qualifie. Propre est placé après le verbe devenir conjugué au passé composé. Le verbe devenir, c'est un verbe qui exprime l'état. Alors, quartier est relié avec son adjectif qui le qualifie par un verbe qui exprime l'état. C'est le verbe devenir conjugué au passé composé. Alors, quand l'adjectif qualificatif est relié au nom qu'il qualifie par
un verbe d'état, on l'appelle adjectif qualificatif comment attribut l'appel adjectif qualificatif attribut. Maintenant les enfants, on va passer à un exercice d'application. Suivez avec moi, on va lire la consigne. Je souligne les adjectifs qualificatifs dans les phrases suivantes. Alors la phrase A, Corona est un virus contagieux. Corona est un virus contagieux. Alors la première phrase, est-ce qu'on a qualifié le mot Corona? Non. Alors on n'a pas qualifié le mot Corona. Est un virus, ça c'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Est-ce qu'il est qualifié? Oui. Comment est le virus? C'est un virus contagieux. Contagieux, c'est un adjectif. C'est un adjectif placé juste après le nom qu'il qualifie. Alors c'est un adjectif comment? Oui, épithète. La phrase B. La jeune fille paraît contente. La fille. Comment est la fille? Elle est jeune. C'est bien. Elle est jeune. Alors jeune, c'est un adjectif qui qualifie le groupe nominal fille, la fille, elle est placée juste après, juste avant le nom qu'il qualifie, c'est un adjectif épithète. Est-ce qu'on a qualifié encore la fille? Comment il est? Il paraît contente. Contente aussi, c'est un adjectif. Est-ce qu'elle est placée avant ou après le nom qu'il qualifie? Non, bien sûr, elle est placée. Elle est reliée au nom qu'il qualifie par un verbe. C'est le verbe paraître. Paraître aussi, c'est un verbe qui exprime l'état. La phrase c'est. Alors, puisqu'il exprime l'état, c'est un adjectif attribut. J'attendais une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Alors, le groupe nominal une nouvelle est qualifié par l'adjectif bonne. Eh bien, elle est qualifiée par bonne. Bonne, c'est un adjectif placé juste avant le nom qu'il qualifie. Alors, c'est un adjectif, très bien, c'est un adjectif épithète. Alors, comme ça, on a terminé notre leçon. J'espère que vous avez passé avec moi de bons moments. Alors, gardez bien, gardez-vous à la maison et faites les exercices sur vos manuels. Alors, au revoir et à bientôt, mes élèves.